slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V encore une fois pour une nouvelle vidéo de mode. Vous pourrez trouver la chaîne de Last Bravus dans la description. Alors aujourd'hui je vais parler de ce que j'avais parlé il y a deux jours de cela. Donc Rockstar avait tout simplement réalisé et a tout simplement réalisé une maintenance aujourd'hui. Donc de 15h à 16h heure française et de 9h à 10h heure aux États-Unis. Et en gros dans cette maintenance, ils étaient censés regarder tous les statistiques des joueurs et faire un petit bilan ou faire un petit bannissement ou un truc comme ça. Ils n'ont pas été précis, mais je pense qu'ils avaient fait tout ça pour les bannissements. J'ai fait un petit peu le tour sur Twitter et Facebook de qui avait été banni quand je suis rentré des cours. Moi, personnellement, ce qui me concerne, j'ai fait un lobby il y a deux jours. J'ai fait un lobby et on m'a mis 90 millions. Je n'ai absolument rien perdu, j'ai pas perdu mes niveaux, j'ai pas perdu mon argent, j'ai absolument rien perdu. C'est pareil pour le tour de mes abonnés, personne n'a été banni, personne n'a eu le bonnet d'âne. Alors là je me pose beaucoup de questions et vous pourrez me dire si vous avez eu quelque chose, si jamais vous avez perdu un petit peu d'argent, un peu de level, des bannissements, des bonnets d'âne. Vous me dites vraiment tout dans la description pour que je puisse faire un petit bilan. Alors moi... je suis vraiment très perplexe sur ce que Rockstar vient de faire. Ils n'ont balancé aucun communiqué sur leur site ou même le Rockstar Social Club ou même sur Twitter. Je suis très perplexe de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont regardé. Pourquoi ils auraient fait ça? Peut-être pour faire un bilan de GTA Online, des 1 an de GTA Online, pour voir un peu comment a évolué le jeu au fur et à mesure. Peut-être pour faire une vague de bannissement général d'un seul coup et pas pendant une maintenance. Peut-être qu'elle arrivera dans quelques jours ou même dans quelques heures, je n'ai aucune idée. Moi, je suis très perplexe. Peut-être qu'ils ont fait une maintenance et faire croire qu'ils faisaient une maintenance, tout simplement peut-être pour tester un DLC ou pour tester des choses parce que les serveurs étaient fermés entre 15h et 16h. Je suis vraiment très perplexe, comme je l'ai déjà dit. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Moi, si vous avez des hypothèses ou des quelques idées, balancez-les dans les espaces commentaires. Ça me ferait vraiment très plaisir de lire un peu ce que vous en pensez, vous, si vous avez été banni ou quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment vraiment perplexe. Je sais pas quoi penser. Et sur Rockstar Social Club, ils ont tout simplement balancé un petit communiqué avec des vidéos, tout ça, mais ils ont rien posté comme message. Alors, peut-être une mise à jour qui arriverait d'ici demain, je ne sais pas. Peut-être une mise à jour qui arriverait pour les 1 an de GTA Online, je ne sais pas non plus. Peut-être peut-être une vague de bannissement général, mais ils attendaient vraiment de voir un peu les statistiques de tout le monde pour tout bannir, comme ils avaient fait pour quand il y avait eu la maintenance des codes DNS. Ils avaient attendu quelques jours avant de bannir après la maintenance. Je sais vraiment pas. Voilà, peut-être un petit bilan. En tout cas, moi, je vous fais un peu le petit bilan de la maintenance et ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu grand-chose. Sur GTA Online, ça n'a absolument rien changé. Social Club, ça n'a rien changé. Les statistiques n'ont pas changé, en tout cas pour ma part, sur mes deux personnages. J'ai toujours le bonnet d'âne sur mon personnage principal et j'ai toujours mes 90 millions sur mon personnage secondaire. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit bilan de la maintenance. Vous balancez toutes vos idées, vos hypothèses dans l'espace commentaire comme à chaque vidéo. Et du coup voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter afin que vos amis me donnent à leur tour leurs avis et leurs hypothèses et s'ils ont été bannis de GTA Online. Allez, ciao bébé tout le monde.